les évaluations que nous établissons dans nos activités sociales et culturelles de tous les jours ont un lien direct ou indirect avec les processus de régulation vitale que recouvre le terme d'homéostasie. Ce lien explique pourquoi les circuits cérébraux humains sont tellement dédiés à la prédiction et à la détection des biens et des pertes, ainsi qu'à vanter les gains et à faire craindre les pertes. Autrement dit, il explique l'obsession humaine pour l'assignation de valeurs. Cette dernière est liée directement ou indirectement à la survie. Dans le cas des êtres humains en particulier, elle a à voir avec la qualité de cette survie, en termes de bien-être. La psy de comptoir. Putain de métier. J'en aurais bouffé de la conf à deux balles. Payé à la psy, je prends un canard de merde. J'aurais dû rester dans l'ergonomie. Mais ça au moins, c'est du solide. Il y a presque que du monde pour écouter ça. D'ailleurs. 10, 20, quelques confrères. Pas si mal. Il n'en est pas moins. Les intuitions erronées qu'il suscite si on se fie seulement à lui. Le Damien dans ses œuvres de Monsieur Loyal. Ça te donne du professeur Ivotskaya au kilomètre. Toujours aussi l'échecu. Quand je pense qu'il a commencé dans le foot, à part l'équipe, il n'a jamais rien lu d'autre, celui-là. Oh putain! Il l'a pas raté, Larry Ivotskaya. Oh, j'en reviens pas. La bouffée du lion au petit-déj. Je vous cite, la vie n'est pas plus réelle qu'un conte de fées. Vous prenez vos lecteurs pour des enfants? Et paf! Allez, démerde-toi avec ça. Vous savez, je vais faire un parallèle. Si vous prenez... Je démonte pas celle-là. Le beau, le laid, le bien, le mal sont subjectifs et mouvants. L'homme est un animal de culture. Vous insinuez donc que notre vision du monde est différente suivant les individus? C'est Pascal. Ce mécanisme n'est pas... Les chiens écrasés à sa mémère. Larmoyante au possible, comme d'habitude. Ah, j'ai bien fait de venir. Ça pourra faire un bon papier. Comment qu'elle s'en sort, Larry Ivotskaya? Jargon plein pot. Illusion psychologiquement vitale. Carcan symbolique. Agit comme un exosquelette. Ah, la pauvre. Elle me fait presque pitié. Elle va se faire laminer. Ce n'est pas tant dans l'œuvre, mais dans l'interaction entre l'œuvre. L'homme devient donc victime du contrat, aliéné à la règle du jeu qu'il a lui-même mise en place. Ce mécanisme n'est pas uniquement valable pour l'art, pour tout ce qui ressent, pense et agit. Qu'est-ce que cette pauvre Elena a bien pu leur faire pour que les journaleux l'attaquent comme ça? Ce n'est pas tant dans l'œuvre, mais dans l'interaction entre. Elle se défend bien. Un peu colère. Ça lui va bien. Entre l'homme et le monde. Jolie fille, en fait. Edward Park, London Herald. Vous parlez des hommes comme de purs hallucinés, des drogués permanents. Pensez-vous véritablement qu'il soit impossible pour un être humain d'assumer sa réalité? Désolé, Elena. Je ne fais les règles globales boulot. Des différentes sociétés oui, Elena. Font partie de ces structures. Mais tu l'as déjà dit. Elles nous aident à voir le monde d'un même œil et d'une même perception. Le monde est imagination et interprétation.
si vous prenez là, il est aussi pour la raison objet d'une critique radicale, si l'on veut bien en faire l'effort. Bien sûr, Elena, la critique radicale des mondes imaginaires est le monde de la raison. On se libère des masques quand on sait que ce sont des masques. On se libère de la pensée magique en défaisant les mythes grecs et romains. Ceci ouvre parce que quelle cuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fais ici? Oh, putain. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je me rappelle pas. Mon Dieu, le blanc. Qu'est-ce qui m'arrive?
C'est qui ces types? C'est moi? C'est moi. Comment est-il possible que je ne me reconnaisse pas? Il faut que je sorte. Que je prenne l'air. Excuse-moi du retard, un appel de dernière minute. Ce type, c'est le mec de la photo. Ouais. Mais c'est qui ce mec? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Je vois très bien. T'as pas l'air en grand forme, toi. Faut que je respire. Ouais, t'es tout pâle. Qu'est-ce qui m'arrive? Attends. Viens. Assieds-toi. Edouard? Tu m'inquiètes là. Edouard, nom d'un chien. Mais reprends-toi, tu me reconnais pas, David Note. On est amis depuis plus de 10 ans. David. Tiens, David Note, je connais pas ce mec. Qu'est-ce qu'il me veut? Des amis de 10 ans, mais je m'en souviendrai, merde. Edouard Park. Edouard, tu travailles dans une librairie depuis maintenant 3 ans. Avant, t'étais ingénieur en intelligence cybernétique chez Cisco. Julie? Mais bon. J'ai divorcé. Avec, je me rappelle pas d'elle. Ça n'allait plus entre nous. Mais qu'est-ce qu'il en sait, celui-là? Quitter mon boulot. Mais bon, j'avais un boulot d'ingénieur. Péter un boulot. Et toi? Et toi, tu es le seul pote que je verrai encore? La photo. La photo sur la table de chevet. Il sait, putain. Il sait. Le docteur Tosbahi. Appelez son toubib. Tosbahi. Une amie. Il faut bien que je fasse confiance à quelqu'un. Faire confiance à quelqu'un. Bonjour David. Bonjour Monsieur Park. Park comme parking. Je plaisante. Vous avez trouvé facilement à vous garer? C'est un peu galère dans le secteur. David, je te fais mal sur le vieux. Edouard, je vais vous faire rentrer. Vas-y. Vous venez vous voir? Merci de me recevoir si vite. De toute façon, je n'ai plus de passion et Fred, de reconnaître Fred Tosbahi. Moi, allez, c'est tiens, Edouard Park. Edouard Park, putain, mais ça sonne creuse, putain de nom. Nous allons démarrer par un toubib. Petit examen. Il va bien trouver ce que j'ai. C'est bien le diable, ça doit arriver souvent ce genre de truc. Il va me soigner, c'est sûr. Je pense savoir d'où vient votre malaise. Ne vous étonnez pas si je ne vous ausculte pas plus que ça. Votre ami David est très préoccupé et nous avons beaucoup parlé de votre cas. Vous David, des troubles du traitement. Mon ami David. Ce n'est pas qu'une image. Ils ont parlé de mon cas. Parlé en tant qu'ingénieur informatique. Troubles de l'information.
tous vos stimuli comme en informatique. C'est vrai, c'est vrai. Je suis censé être ingénieur. Je suis ingénieur. Ces informations sont indispensables à la catégorisation. Oui, oui, je veux bien tout ça, mais. Mais je souffre de quoi vraiment, là? Hallucinations, délire? Mais aussi à créer des représentations solides. Cela peut aussi générer ou faciliter certains phénomènes hallucinatoires ou délirants. Ces informations sont indispensables à la catégorisation et à la capacité d'attribuer des intentions ou des pensées à autrui, mais aussi à créer des représentations solides. Cela peut effectivement générer ou faciliter des phénomènes hallucinatoires ou délirants. Il n'est pas évident de répondre à la question « Qu'est-ce que la réalité ?» Personne ne se la pose. Mais le jour où vous commencez à vouloir défricher le mystère, vous vous rendez compte que vous marchez sur une corde raide, prêt à basculer dans des gouffres sans fond ou des mondes imaginaires. Cela s'appelle la non-modélisation autonoémique en termes barbares. Je fais quoi? De la non-modélisation noémique? Vous avez besoin d'un bon traitement de fond et d'un recalage. Recalage. Nous putain, avons fait barbarisme. De surprenantes découvertes à ce sujet. Voudriez-vous essayer une séance d'hypnose? Une séance d'hypnose, ouais, tout ça pour ça. Jamais essayé. Après tout, pourquoi pas? Un bateau. Je suis dans un bateau. Mais comment? Mon Dieu, mais c'est qui cette femme? Mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Son sac. Marie Nemro. Richard Totten. C'est qui ce Totten? Bizarre. Tu m'étonnes que j'ai l'air bizarre. Je suis dans un bateau avec une femme que je ne connais pas, qui m'embrasse. Ah oui, oui. Oui, je suis bizarre, oui. Oui, tout est plus que bizarre. Que faire pour sortir de cette situation? Pour l'instant, je suis coincé sur ce rafio, et à part lui tirer les vers du nez, je peux rien faire. La faire parler. Oui, c'est ça. La faire parler. Richard Totten. Je m'appelle Totten. Ces papiers sont faux. Je m'appelle Edward Park. Mais c'est quoi cette histoire de fou? Ça va?
Ça a l'air bizarre. T'es sûr que ça va? Cette femme qui m'embrasse comme si on était amants. J'étais en pleine consultation médicale. Et maintenant ici? Ça n'a pas le moindre sens tout ça. On est en mission. Quelle putain de mission? Je suis au chômage, bordel. En plein burn-out, oui. Et on me confierait une mission. C'est quoi cette histoire de dingue? Je voyage sous un faux nom, avec ma maîtresse, semble-t-il. Nous avons une mission, et du câble, si j'ai la moindre idée de quoi il s'agit. Edward Park, il faut que je te parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Chut! Tu ne t'appelles pas Richard Dutton. Reste tranquille, Edward, et écoute-moi attentivement, car je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne suis pas avec toi en ce moment, et je ne sais pas où tu te trouves, mais par contre, je peux communiquer avec toi. Comprends bien une chose. Ce n'est pas moi qui te vois. C'est toi qui me vois. Ne me coupe pas. J'avais pas le temps. Une organisation qui te retient prisonnier et veut récupérer des informations que tu possèdes est en ce moment à tes trousses. Ils ont mis au point une technologie qui permet de sonder le cerveau et d'agir en fabriquant des rêves dirigés. Les vies que tu crois vivre ne sont que des rêves, des résultats métaphoriques, issus des expériences qu'ils te font subir. Ils te manipulent. Et n'oublie pas, Edouard, les rêves n'existent que lorsqu'on les regarde. Ce n'est pas possible, je vis en plein cauchemar. Je n'y comprends rien. On ne peut rien y comprendre. Je viens m'avertir qu'on manipule mon cerveau. Je viens m'avertir. Je me donne un fly. Mais qu'est-ce que je suis censé faire de cette saloperie? Je suis Edward Park. Je voyage sous le nom de Richard Dutton. Je suis accompagné de Marie Nemo. J'ai jeté le revolver. Ce sont là des faits. Mais qu'en faire ? Attends-moi au bureau de location. Je reviens tout de suite.
je pense qu'il est mort. Je viens d'avoir un accident mortel. J'appelle les pompiers. Que faire? Continuez. Et on regarde la mission. Est-ce que tu peux être à la joie? Alors. Avant tout, nous devons franchir les remparts autour de l'immeuble et maîtriser les gardiens. Ce sera pas facile, mais t'es là. T'as travaillé le plan pendant des semaines. Je te fais confiance. Et puis, t'es certainement le meilleur agent de ce service. Alors ensuite, les mécanismes, la première porte, de la seconde et de la troisième. Ça, tu connais? Ouais. Il n'y aura pas de soucis. Et la clé, quand il faudra faire une empreinte. C'est bon? Bon, c'est bon, j'ai compris. Je vais me rafraîchir dans la salle de bain. Richard Totten et Marie Nemro ont une mission. Récupérer une clé dans un coffre. Le coffre est gardé. Il faudra s'en emparer sans faire couler le sang. Et j'ai mal quand je me cogne le bras sur l'évier. Ça va? Tu t'es fait mal? C'est rien. Je me suis cogné le bras. Je t'aime. Un fait ou un délire de mon cerveau manipulé? Si je suis un inconnu ayant pour pseudo Richard Totten, mais qui était Edward Park? Une autre identité d'emprunt? Alors je suis qui? Qui est mort sous les roues de la voiture? Je suis ici! Et je vois mon visage dans la glace. Putain de voyage. C'est dément. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Le monde est toujours le monde, mais moi, je change d'identité sans rien vouloir. D'un cabinet de toubib, je me réveille dans un bateau, et puis tout fond autour de moi. Et je me retrouve dans un putain de grenier. Mais c'est quoi tout ce bordel, hein, ces boîtes? Une photo. Cette femme, c'est Marie? Ou pas? Il y a une ressemblance. Il y a quelque chose qui cloche. L'allure, je sais pas. Non, c'est pas la même femme. Mais alors c'est qui? Et on est où là? Cette montagne, ça me dit rien de spécial.
ne m'en souviens pas. Malgré tout, un repère. La montagne et la femme. Alors, ça y est, t'as trouvé ce que tu cherchais? Tu peux être chiant à toujours tout oublier. Si t'arrêtais de rêver un peu, il y a la barrière qui attend d'être réparée depuis une semaine, je vais quand même pas tout me taper dans cette baraque, non? Punaise. Quelle harpille. Oh, et ça te fait rire? Bon con! Elle ressemble tellement à Marie, mais... Mais ça n'est pas le... la même personne. Non, l'âge, l'allure... Thank you.
Manchu, hein. Vous avez l'air bien fatigué aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qu'elle me... Vous avez roulé toute la nuit, moi. Et puis dans quelle langue parle-t-elle? Son prénom. J'y crois pas. Je ne comprends rien de ce que vous me racontez. Allez, tu me fais marcher, my love. Bon, vous savez ce que vous voulez ou je vous apporte le menu, hein? Ah oui, j'oubliais. Aujourd'hui, on a le Special Bee. Comme bisous. Non, non, non. Comme bacon et eau brouillée avec frites. Hein. Ça vous tente, hein? Je vais vous prendre une omelette champignon avec un grand café et une tarte aux pommes, s'il vous plaît. Vous me dites quel pays? Elle est d'ici. Une Vendéenne. Une Vendéenne déguisée en serveuse de snack ricain. Décidément, quand ça déconne. Ah, ça déconne, hein. Ouais, ça n'enlève rien au fait que j'ai l'impression qu'elle parle chinois. J'ai déjà vu cette tête-ci quelque part. Mais où? Oh, pas la moindre idée. Une dépêche vient de tomber. On m'annonce qu'une jeune femme a été découverte morte chez elle dans un pavillon de la banlieue de Nantes. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un accident ou d'un meurtre. Son mari, un homme d'une quarantaine d'années, reste introuvable. Il est considéré comme le principal suspect. Il est activement recherché. Tu as fait tomber ta clé de situation de ta poche. Merci. Ce n'est rien, Edouard. On se connaît. Et comment vous connaissez mon nom? Je ne sais pas. Mais cela m'a semblé naturel sur l'instant. C'est peut-être ça, la magie. Ne cherche pas. C'est merveilleux. Les choses arrivent parce que c'est le destin. Tu as ta clé maintenant. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. Clé de situation.
Je ne sais même pas si cela devrait me rappeler quelque chose. Mais c'est encore quelque chose en plus au menu.
Oui. Allô? Allô? Oui. Allô? Qui, vous, oui. Vous êtes qui? C'est vous qui m'appelez. Mais qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Non, vous me jouez une mauvaise blague ou quoi? Ok, c'est ça. Bien sûr. Oui? C'est encore vous? Allez, maintenant ça suffit, donnez-moi votre nom s'il vous plaît. Écoutez, je suis Monsieur Park. Edward Park. Et vous? Park? Edward Park? Vous vous appelez Edward Park? Mais je ne vous permets pas. Vous foutez de ma gueule. Vous m'avez demandé mon nom, je vous l'ai donné, alors donnez-moi le bon. Je m'appelle aussi Edward Park, ça va durer longtemps votre comédie? Ça va durer longtemps ou vous vous expliquez ou je vous raccroche au nez là? Écoutez, attendez une minute. Porterions tous les deux le même nom? Vous m'appelez d'où? Mais c'est vous qui m'appelez. Mais peu importe, je suis à l'hôtel. Oui, dans un bled. Il aime survie. Également. Ce n'est pas moi qui vous ai appelé. Mais vous me dites que vous, mon Dieu, il se réveille! Je veux voir, donc je vais voir. Je vais imaginer une boîte, et la solution sera à l'intérieur. Thank you.
Hé, Richard! Attends une minute. Je ne sais pas ce qui se passe. Il est hors de question que j'aille où que ce soit, tu m'entends? Je comprends rien à la situation. D'abord, je suis déjà venu ici. Je ne connais même pas cette femme. Je l'ai vue dans le bateau. Et alors? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne me reconnais plus? T'as perdu la mémoire? Tu sais plus qui je suis? Je ne sais pas ce que je fais ici. Cette mission? Mais j'en veux pas de cette mission. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un travail de barbouze? Moi? Impossible. Je devrais partir. À chaque fois que je commence à douter, je bascule aussitôt dans une autre situation. Un autre rôle, ou bien un changement de réalité. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je ne donnerais pas pour retrouver une vie normale? Me sauver? Mais à quand remonte mon dernier souvenir de cette vie normale? Une vie normale... C'est quoi en fait? Ma vie est complètement folle. Néanmoins, je ne me rappelle rien d'autre. Et si cette réalité était vraiment la réalité? Ou alors, je suis malade, ou décalé, ou je rêve. Où suis-je, nom de Dieu? Il y a du monde. Les gens passent, ils courent, ils portent des valises. Elle est allée les prévenir que je refuse à la mission. Alors réfléchis. Réfléchis. Allez, va la chercher. Qui est-elle allée avertir? La hiérarchie? C'est qui cette hiérarchie? Ça ne me dit rien qui vaille. Et pourquoi est-elle partie en courant après m'avoir... embrassée. Elle ne revient toujours pas. C'est pas logique. Je devrais partir. Faire ce délire. Mais pour aller où? Quelle va être leur réaction? Ils vont décider quoi? Hein? Un barbouze qui plaque tout. Allez, réfléchis. Réfléchis, cette fille. Elle les prévient. Que faire? Attendre qu'on vienne te chercher, elle ou d'autres, et pour t'emmener où? Allez, trouve-la, nom de Dieu! Il faut qu'elle s'explique! Tu m'observes? C'est-à-dire que je te cherchais. Et toi, hein? Et toi, qu'est-ce que tu faisais là à regarder cet écran? Hein? Qu'est-ce que tu faisais là? Et puis d'abord, je m'appelle pas Richard, tu comprends? Je ne m'appelle pas Richard! Je connais même pas ce Richard, je sais pas qui il est. Je m'appelle.
métaphore, je ne crois pas en la métaphore, je crois en l'homme qui écrit la métaphore. Je ne crois pas en la métaphore, je crois en l'homme qui écrit la métaphore. Je crois pas en la métaphore, je crois en l'homme qui écrit la métaphore. Je crois pas en la métaphore, je crois en l'homme qui écrit la métaphore. Je crois pas en la métaphore, je crois en l'homme qui écrit la métaphore. Je crois pas en la métaphore, je crois en l'homme qui écrit la métaphore. Je crois pas en la métaphore. Ce cri dans ma tête ou bien dehors. Je n'arrive pas à distinguer. Je ne peux pas bouger. Pas bouger la tête. Le bras? Non plus. Allez, un petit doigt. Je dois pouvoir bouger le petit doigt. Non! Non, rien de rien. Et ce maudit mal de crâne. Ah, Dieu. Que j'ai mal. Heureusement, je peux encore respirer. Allez, voilà, j'ai moins mal. Allez, cette saleté s'atténue. Où suis-je? Il y a des gens qui marchent. Lentement. Nom de Dieu, que c'est lent. Est-ce bien normal qu'il soit si lent? Combien de temps cela va-t-il durer? Je peux même pas regarder ma montre. Le temps s'éternise. Quelle heure est-il? Peut-être. Les ombres s'allongent. On doit être en plein après-midi. J'ai l'impression que toute la journée s'écoule 100 fois trop vite. C'est quoi trop vite? Plus mal à la tête. La tête de qui? Je suis qui? L'horloge est en panne. Et peut-être que toutes les horloges sont en panne. Elles n'arrivent plus à suivre la course du temps. Ça va trop vite. Je ressemble à un bug d'ordinateur. Je tourne dans le vide. Les horloges sont arrêtées. C'est quoi ce bordel? Hé Richard! Ça va? T'as l'air de rêver, déjà revenu de Nantes? Pourquoi m'a-t-il appelé Richard? Je vais bien? Oh, la nuit noce s'est bien passée. Je crois que t'as déniché le gros lot, mon vieux. Je suis un peu pressé. D'un autre côté, c'est peut-être mon nom. À bientôt! Étant donné que je ne me souviens d'aucun autre, de toute façon. Non. Non, ça ne me dit rien. Comprends bien une chose. Ce n'est pas moi qui te vois. C'est toi qui me vois. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que tu m'observes. T'as mal digéré ta rupture avec Julie, t'as un peu pété les dos. J'ai l'impression qu'on se connaît. Non? Tu as ta clé maintenant. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. Oh, et ça te fait rire? Pauvre con! Récupère une clé dans un coffre. Le coffre est gardé. Je t'aime. Je t'aime. Toi qui me vois. Et qu'est-ce que la reine? Je t'aime. Dans les gouffres sans fond du monde imaginaire. Ce cri dans ma tête. Hé mon chou, hein. Vous avez l'air bien fatigué aujourd'hui, hein. Je t'aime. Ça va trop vite. Tu ne me reconnais plus, t'as perdu la mémoire, tu sais plus qui je suis, peut-être. Je comprends bien une chose. Ce n'est pas moi qui te vois. C'est toi qui me vois. Qu'est-ce que tu fais là?
Ça fait longtemps que tu m'observes. Ces interdépendances entre l'homme et l'homme. Cela s'appelle la non-modélisation autonomique en termes. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. J'ai besoin d'un. Je t'aime. Tu marches sur le bord de la maison. Récupérer une clé dans un coffre. Récupérer une clé dans un coffre. Le coffre est gardé. Récupérer une clé dans un coffre. Le coffre est gardé. Tu as ta clé maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que tu m'observes. Ce cri dans ma tête. Oh, et ça te fait rire? Récupérer une clé dans un coffre. Cela s'appelle la non-modélisation autonomie. Je t'aime. Ces interdépendances entre l'homme et le monde. 11, 15. Ça fait longtemps que tu m'observes. Je t'aime. Je t'aime. T'as perdu la mémoire, tu sais quoi ? Quel âge ? Ce n'est pas moi qui te vois. C'est toi qui me vois. Ce n'est pas moi qui te vois. 11, 15. Cette maison, je la connais, c'est sûr. Ouais, ça j'en suis sûr. Aucune idée du comment, mais je la connais. Et si je connais cette maison, peut-être me connaît-elle aussi. Peut-être y trouverai-je quelque chose qui me parlera de moi. N'ayez pas peur, jeune homme, il s'occupe de vous. Vous le connaissez ? Tout juste, mon gars. Et lui aussi, il te connaît, il te voit, et il a un plan pour toi. Et comment vais-je faire pour rencontrer ce monsieur ? Tu n'en as pas besoin, il est déjà là. Il est en toi, tu le sens ? Écoute. Regarde, tout est là. Tes structures perdues, ta vision, tes repères. Tes attentes et tes besoins, tu les avais égarés, mais ils sont là, tout est là. Toi, tu n'as rien à faire. 130 euros. 130 euros pour ta libération. C'est beaucoup et c'est peu. C'est moins cher qu'une psychanalyse. C'est plus cher qu'une aspirine. Vous avez déjà essayé l'aspirine? Sans blague, vous n'avez pas mal à la tête peut-être? Alors ne faites pas l'enfant. Rien ne sert de mettre la tête sous les draps. Il y a école et c'est 130 euros. Donnez-moi mes 130 euros. Il faut que je vous sauve moi et ce n'est pas gratuit. Vous savez, moi aussi, je dois rendre des comptes. 130 balles. C'est pas rien 130 balles. 130 euros pour ce cube ridicule? Non, c'est une plaisanterie. Et j'ai rien sur moi, de toute façon. 20 euros, pas plus. Va en enfer! Tu n'es qu'un crétin! Déserté du bulbe!
fantôme de la vie, tu la brades. Tu la comptes sur tes doigts. Les 20 doigts, 20 doigts, 20 euros. C'est ça ta comptabilité. Un poisson sans nageoire et même sans arête. Un poisson sans arête. Ah. Elle est belle celle-là. 130 euros, quelle affaire. Ah, mais on compte, petit chien incomptable. De la valdaille. Et là, tu avais tout dans un petit cube. Et tu rabouinises. Mais lui, il aura tout fait pour ta libération, ta résurrection. Somnambule, zigzagant, au fil des nuits, l'éternelle nuit, au fil des longues, des éternelles années, à tout jamais, à ton destin, ta demeure. L'enfer. Tant. L'enfer. Mais où est-ce? Et qu'est-ce que c'est? La solution était peut-être dans ce cube. Mais 130 euros, tout de même. Mon nom serait Ed. Ed. Comment? Bonjour, professeur Libotsaya. Vous venez de faire paraître votre livre étant de la magie et de la peur, et vous écrivez, je vous cite, « Le merveilleux, comme l'angoisse, provient du fait de l'incapacité de l'homme à prendre ses responsabilités face à son environnement. C'est un comportement puéril. » Pourriez-vous nous en parler, professeur Libotsaya? Quelle est votre définition de la réalité? Vous savez, je vais faire un parallèle. Si vous prenez l'art, je considère que ce qu'il y a art, ce n'est pas tant dans l'œuvre, mais dans l'interaction entre l'œuvre et celui qui l'appréhende. Il y a donc l'objet que vous appréhendez, votre potentiel à interagir avec lui, et l'interaction. Ce mécanisme n'est pas uniquement valable pour l'art, mais pour tout ce qui ressent, pense et agit. Toutes ces interdépendances entre l'homme et le monde deviennent des représentations
et forme sa vie et sa réalité. Ce que l'on appelle communément la vie n'est en fait qu'une conception, une représentation d'un état de fait biologique. C'est une vision de la vie et de la réalité. Comme pour l'art, tout dépend de l'interaction entre vous et ce qui vous entoure, c'est-à-dire le monde. L'interaction repose sur des structures globales ou exceptionnelles. Mais tu la dragues, mon con. Allez, laisse-la tranquille, nom de Dieu. Devant tous ces gens qui vous regardent. Lâche-la. Ah, tu m'écoutes, oui. Ah, quand même. Faut hurler pour être entendu. C'est quand même terrible. Elle paraît tellement sûre d'elle. Tellement sereine. Différentes sociétés groupes. Elle en connaît un rayon sur les gens. Créer ces structures en organisant des Quelle classifications belle et des définitions. Qu'elles soient visibles. Je t'embrasserai bien, Elena. Elle nous indique ton sourire rouge. Trop rouge, peut-être. Bien, mmh. Le mal, le bon, mais le tout lait, te va si bien, ma chérie. Bon. Nous avons la même carnation de peau, toi et moi. C'est pour ça que je me permets ce petit conseil, moins rouge la prochaine fois. Je sais que moins rouge me va tellement mieux. Comment c'était ton nom déjà? Allez, réponds-moi, Elena. C'est quoi ton nom déjà? Sois gentille, Elena. Sois gentille. Pourquoi tu ne veux pas? Elena, pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bourdonnement? Pourquoi tu bourdonnes? Elena, dis-moi plutôt ton nom. Et arrêter d'asservir ou de tuer au trip pour des histoires inventées. Donc, plus ces structures sont exceptionnelles, plus l'individu sort du groupe global. Oui, c'est exact. Cela peut d'ailleurs entraîner des comportements à tendance délirante. Merci, professeur Ribotsaya. Merci à vous. Alors, Edouard, je te l'ai déjà dit, mais t'as pas dû bien comprendre. Tu ne m'as pas cru lorsque je t'ai averti. Il te manipule et tu ne fais rien. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Tu vas pas, non, je suis paumé. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui est bon pour toi et moi? La réponse commande l'action. Cela nécessite, bien entendu, d'avoir fait un état des lieux le plus juste possible. Utilise ton cerveau que diable. Il n'y a pas d'état des lieux sans analogie et pas d'analogie sans mémoire. Qu'est-ce qui serait bon pour toi et moi? Pour qu'on y survive. Ferme les yeux. Je sais pas. Tu m'embrouilles. Oui,
Je le sens bien. Je sens bien mon visage. C'est bien le mien, mais... Mais... En même temps, je suis pas en phase. Il m'est pas familier. Ah. Oui, c'est tout. Je suis moi, mais je ne suis pas moi. Pourtant, c'est indéniable. Oui, c'est indéniable, je suis moi. Moi aussi. Mais tu veux en venir où ? Je suis moi et toi. T'es qui, toi ? Toi et moi, nous menons le même combat. T'es qui, toi, au juste ? Mais... Arrêtons de tergiverser. Tu m'agaces à tourner en rond comme ça, à te prendre le chou pour tes conneries. Trouve-nous la solution. Oui ? Qui est-ce ? Marie ? Mais je ne vous connais pas. Qui êtes-vous ? Tu te moques de moi ? Porte, je te dis! Mais où étais-tu passé? À la gare, je te laisse 5 minutes et quand je reviens, plus personne. J'ai pas arrêté de courir dans les couloirs à ta recherche. Et où je te retrouve? À l'hôtel, peinard. Mais pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Je me suis fait un sang d'encre, pauvre idiot. Excusez-moi, mais là, je comprends rien. Quelle gare? Hein? Et puis d'abord, qui êtes-vous? Ça va pas, là. Viens. Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Tu déconnes à plein tube, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Si tu ne me racontes rien, je peux pas t'aider. Tu vas devoir aller consulter un médecin, tu sais. Je suis fatigué. Tout paraît instable. T'as pris tes médicaments, hein? Quels médicaments? Non, mais c'est pas possible. Ne me dis pas que tu les as encore égarés. Heureusement, j'en ai toujours une boîte sur moi. Cette femme me plairait-elle? Oui, elle me plaît. J'accoucherai bien sur ce lit. Elle doit avoir la peau douce. Je me réfugierai bien entre ses bras, entre ses cuisses. On doit y être bien. La baiser, oui. Mais quoi? Est-ce le bon moment? Et même, la bonne personne? Rien ne s'ajuste. Tout semble prêter à confusion. Je veux la prendre, mais j'ai peur. Peur que ce soit un piège. Tout cache quelque chose. Que cache-t-elle?
Edouard. Allez vous poser, mon vieux. Quelle cuite! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fais ici? Mal au crâne, mais rien de cassé. Ça va être une belle journée. Il faut que je me dépêche. Monsieur Park, votre conférence commence dans 15 minutes. Il ne faudrait pas traîner, il y a du monde sur la route. Monsieur Park, monsieur, mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous voyez bien que je suis une femme. Appelez-moi madame, enfin. Kouja. Et puis, Park, c'est quoi ce nom-là? Il se passe quelque chose de pas clair. Ça cache quoi, ça? Venez, Edouard, ou nous allons être en retard. Vous savez, moi aussi, je dois rendre des comptes. Je sais que vous êtes pas.
confiance, c'est une science de vie. Vous savez. Au fait, avez-vous lu le livre que je vous ai prêté? Quel livre? Ah, oui. Le petit livre noir. Non. Mais il y a certainement des passages intéressants. C'est un livre très intéressant. Vous minimisez. Un livre que je dirais même capital. On y apprend que la providence est secourable. Dieu est avec nous. Et Dieu, rien moins que Dieu. Dans un petit livre, on y apprend ça. Chose que chacun devrait savoir, mais Dieu lui-même est dans un petit livre, quelques pages. Peut-être vous pouvez le lire avec un autre œil maintenant. Ayez confiance, je vous guide. Je suis toujours là. Toujours disponible 24 heures sur 24. C'est simple. C'est le dévouement, c'est normal, volontiers. Mais ayez confiance, la force n'est pas une ennemie. Enfin, puis le temps, vous savez, nous sommes ensemble. Je viens d'avoir votre dossier. C'est bien, Edouard, hein? Il y a de l'espoir, mais quand même. Rassure-toi, Elena. Reste calme. Ils te prennent et t'appellent Edouard. Et alors, grand bien nous fasse. Attendons et observons. Essayons de comprendre pourquoi ils t'appellent Edouard Park. Allez, Elena, joue à Edouard. Joue à Edouard. Tout va très bien, Edouard. Vous nous avez fait un peu peur hier soir. On va revoir vos doses de HP4 et tout devrait rentrer dans l'ordre. On s'est aperçu que vous ne réfléchissez pas toute la journée, mais qu'il y a une volonté de remémoration. On s'est aperçu que vous ne réfléchissez pas toute la journée. Votre convalescence. Vous allez vous reposer. Thank you.
On rentre à la maison. Quelle heure est-il ? Bordel de merde ! C'est pas notre jour ! Putain ! Dire qu'on était sympa avec lui,